Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Aujourd'hui est un grand jour puisque je m'apprête à recevoir une CNC que l'on appelle aussi une commande numérique. Alors la CNC, j'en avais déjà parlé dans de précédents épisodes. Ça veut dire Computer Numeric Control et ça permet de faire plein de choses comme par exemple fraiser du bois ou d'autres matériaux, graver au laser, découper au jet d'eau ou encore imprimer en 3D. Ce genre de machine me passionne et ça fait longtemps, plus de 2 ans pour être exact, que je voulais en acquérir une. C'est chose faite maintenant, la marque Stepcraft... C'est dur à dire, hein. La marque Stepcraft System, qui est une marque de CNC allemande, m'envoie leur plus gros modèle et je vous cache pas que je suis le gars le plus heureux du monde. Allez, l'instant des copos, c'est parti! La machine est livrée en kit comme ici ou prémontée, c'est au choix. Mais je recommande plutôt le kit car même s'il est assez coton à assembler, on peut mieux comprendre le fonctionnement de la machine. Et en cas de problème, c'est quand même plutôt utile. Enfin, je finis d'assembler la machine, il m'aura fallu environ 8 heures pour ça. Alors là, il s'agit de mon tout premier Mac qui a d'ailleurs servi à faire les premiers épisodes de l'Instant des Copos. Il est donc un petit peu fatigué, mais j'ose espérer qu'il fera tourner correctement les programmes pour la CNC. Attends 2 secondes, j'enregistre une séquence. C'est Guillaume/ qui me dit des conneries au casque. Je vais donc le reformater, le remettre à neuf, si je puis dire, et puis on verra ce que ça donne. En faisant du rangement l'autre jour pour faire de la place au fond d'atelier, j'avais retrouvé un vieux projet. C'était une basse en forme de violon, semi-acoustique, single cut, fretless, à 8 cordes, que je n'avais pas fini. C'est un projet un petit peu fou qui demande pas mal de moyens finalement pour le mettre en œuvre. Maintenant que j'ai la CNC, ça va me permettre de pouvoir faire certaines étapes plus facilement. J'avais notamment prévu d'usiner un chevalet dans un bloc d'aluminium, mais bon, c'était compliqué à faire à l'époque. Enfin, il fallait que je le fasse sous-traiter quoi. Donc là, ça sera carrément possible. Un autre truc où j'osais pas forcément me lancer, c'était pour faire les fameuses ouïes en F comme sur les violons aussi. Donc je voulais faire. J'ai le plaquage pour le devant, ce sont 2 belles planches d'épicéa. Pour tester la CNC, ça va être idéal. Je vais les coller ensemble, les poncer un petit peu, enfin les apprêter du coup pour les avant de les coller sur la basse. Et je vais en profiter du coup pour faire, pour graver les fameuses ouïes en F là-dessus avec la CNC. Comme ça au moins je suis sûr que ce sera bien fait. Allez, on y va! Je commence donc par préparer mes planches en les découpant, en les dégauchissant avant de les coller. Pendant que le collage sèche, j'en profite pour affiner un petit peu la forme de ma basse. Donc là, je vais remplacer le petit logo Patreon que j'avais fait il y a quelques semaines maintenant, qui est en fait en gros sur un petit morceau de MDF. J'avais collé un bout de papier dessus avec le logo Patreon imprimé. C'est pas tip top, donc du coup, ce sera beaucoup mieux si on le grave. Alors nous voilà sur ordinateur et plus précisément sur Adobe Illustrator. Donc là, je vais commencer par faire sur ce logiciel le dessin en vectoriel. Puis après, je basculerai sur un autre logiciel qui me permettra de pouvoir convertir ça en ce qu'on appelle un G-code. C'est le code qui permet d'être lu à la machine en fait et de savoir où en fait où la fraise va. Donc en tout, c'est vrai que pour ce genre de machine, il faut au moins 3 logiciels, voilà, il faut au moins le logiciel pour pouvoir faire son dessin, le logiciel pour pouvoir le convertir et puis évidemment le logiciel qui va être connecté à la machine et qui va permettre à la machine de bouger. Donc pour le graver, je vais commencer par créer un nouveau document.
qui va faire 180 mm de large par 90 de haut. Ok, donc nous avons notre base ici. Je vais maintenant importer un modèle, donc le logo de Patreon, hop là, que je fais simplement glisser, déposer, hein. Il est un petit peu grand, donc je vais le recadrer. Je fais un double clic sur mon calque, je sélectionne pour que ça soit un modèle, donc du coup je peux plus le modifier accidentellement. Je crée un nouveau calque ici, et là nous allons pouvoir commencer la vectorisation d'elle-même. Alors pour ça je vais zoomer un petit peu. Et puis je vais commencer avec l'outil plume à dessiner un contour autour des lettres. Et je trace un rectangle. Comme ceci. Nous avons donc notre logo Patreon. Je vais supprimer le modèle parce que il ne sert plus à rien. Là je vais l'enregistrer sous. Je vais l'appeler logo Patreon. Et là je l'enregistre en format AI, tout ce qui est plus normal. Bien, maintenant que ça c'est fait, on a fini avec Illustrator, on peut démarrer Aspire. Alors ce Aspire que j'ai, c'est la version la plus haut de gamme du logiciel en fait, c'est combine en fait toutes les fonctionnalités. Normalement si vous avez pas trop d'argent et que vous voulez quand même pouvoir faire cette manip, je vous conseille de vous procurer Code 2D, voilà, de chez Aspire toujours. Ça vous permettra de pouvoir transposer les fichiers Illustrator comme ça en fichiers G-code justement, qui soient lisibles par la machine. Là avec ce Aspire que nous avons là, ça permet pratiquement de tout faire, donc on peut gérer de la 3D et tout. Je vous montrerai ça sûrement un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Du coup on va créer un nouveau fichier que l'on va mettre au bon format, donc la largeur j'avais dit 180 mm, en hauteur 90, l'épaisseur ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où on va pas graver de part en part, donc du coup je crois que le MDF que j'ai fait 12 mm d'épaisseur. On détermine notre point de départ, donc effectivement moi je préfère partir du milieu parce que ce sera un petit peu plus précis. On fait OK et de là je peux déjà importer mon logo Patreon. Alors il atterrit sur le bord ici, c'est pas très grave. Hop là je le centre, hop là je peux fermer ce panneau. Je peux aller sur ce panneau là de l'autre côté que j'épingle. Et là c'est là qu'on va décider en fait si on grave à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors on va graver le logo plutôt, je pensais éventuellement le faire en creux. Mais finalement ça serait bien de l'avoir plutôt en relief. Donc du coup la profondeur on va faire, allez on va faire quelque chose qui fait 3 mm. J'ai ma fraise de 3 mm également, le pas tout ça. Voilà, donc on est pas mal, là je peux générer l'aperçu. Donc là quand on génère l'aperçu en fait on voit tout le passage de la fraise. Et on peut voir si ça nous convient, et ma foi, ça me semble pas trop mal. Quand vous êtes content de votre résultat, c'est pas compliqué, il suffit de fermer, faire enregistrer. Vous avez ici une liste toutes les CNC possibles et imaginables. Donc moi je suis sur une Stepcraft, donc du coup je choisis le fichier de la Stepcraft. Et je fais enregistrer le parcours tout simplement. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, hop, je vais l'appeler logo Patreon. Et c'est tout. Là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais l'envoyer sur l'ordinateur qu'il y a dans l'atelier et puis de là je vous montrerai comment on lance ça de la machine. Ok, nous nous retrouvons donc dans l'atelier, je suis à côté de la CNC qui est juste là. Donc nous sommes face au logiciel proprement dit de la CNC, donc c'est dans ce logiciel que l'on va rentrer le fichier que l'on vient de créer et c'est ce logiciel qui va permettre à la CNC de se déplacer. Alors vous le voyez, il est tout en anglais mais pas de panique, il est super simple d'utilisation. Nous allons commencer déjà par faire load file, donc on va charger le fichier, on va aller chercher notre petit logo Patreon que j'ai fait, la charge, il est là, tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Tout a été calibré, j'ai calculé le point zéro et tout, donc normalement, on peut lancer la fraiseuse et commencer le gravage. Et on fait ça en cliquant sur Cycle Start.
cette machine ou cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, comme ça vous aurez une chance de revoir cette machine dans un prochain épisode de l'Instant des Copos. Salut !